Je vais vous montrer le secret qui fait que j'ai fait des bons tracks. Les fameux chaussons de l'inspiration. Eh oui, grâce à ça, tu fais des bons sons. Salut à tous, donc aujourd'hui, je vais te montrer comment faire du kid de A à Z. Donc c'est parti, je vais te montrer le projet. Si tu veux écouter le track en entier, je te mets le lien dans la description. Le track, il s'appelle Rob Kidson. Eh oui, le petit jeu de mots. Parce que c'est vrai que Kid s'inspire beaucoup de Porter Robinson dans ses tracks. Et du coup, bah, tu l'entends dans le track que je viens de te faire écouter. Il y a beaucoup d'inspiration de ces deux artistes. Donc c'est parti, projet très simple. Très peu d'éléments, mais très bien sélectionné. Donc je commence avec un petit pluck à la Kid. Hein. Clairement, tu vois qu'au niveau de toutes mes automations, je pousse à fond le volume pour faire monter la pression, quoi. Ok, donc voilà pour les trois éléments de mon intro, hein. Ça reste très très simple. Je vais rajouter des snares qui vont encore plus faire monter la pression. Donc ça, c'est aussi une particularité un peu de Robinson et de Kid. Donc, tout simplement comme si c'était une perceuse. Tu vois, ça vient un petit peu du fond de la pièce et ça vient agresser après les oreilles. Voilà, et donc tu vois que le tout ensemble avec les snares. Voilà. Et je vais rajouter bien sûr tout un tas d'effix. Donc par exemple, petite ambiance de vent ici. J'ai rajouté des sweeps, des impacts, des uplifters. Hop, là il y a le petit snare qui apparaît. Donc je te mets un petit peu hein, tous les éléments pour que tu puisses voir un petit peu. Hop, on va pas oublier de mettre nos snares ici. Ça monte, ça monte, ça monte la pression. Donc c'est parti, on va passer aux drums. Donc un petit kick, je commence avec ça. Hop, boum, boum, assez simple. Et après, je vais rajouter un snare. Donc là, assez basique, hein, les deux bases kick-snare dans un track. Et là, ce snare, je vais vraiment lui mettre une reverb, comme tu vois ici. Je vais créer une automation ici pour faire des endroits où je vais baisser ma reverb. Donc, je t'enlève la reverb. Tu vois, c'est cool, mais il manque un truc, tu vois, il manque une résonance. Tu vois, et là, par exemple, j'ai une automation pour baisser la reverb. Voilà, je vais rajouter des petites hi-hats par exemple sur la deuxième partie. J'ai rajouté des petites open hi-hats. Donc ça c'est vraiment, je les mets un petit peu entre mon kick et mon snare pour remplir un petit peu les trous. En fait, si tu veux, quand tu construis des drums, faut vraiment que ça a l'air réel, quoi, comme si quelqu'un jouait de la batterie. Tu vois, je rajoute une petite ride ici. Voilà, je vais rajouter des petites reverses. Donc tout simplement pour faire des reverses, bah, soit tu as un kick comme ça, je le reverse. Ça fait un truc sympa. Voilà. Ok, donc voilà pour cette partie de drums. Et ce que je te propose, c'est qu'on écoute un petit peu les différents glitches que j'ai utilisés. Parce que, pour faire du kid, il faut mettre un petit peu des trous dans ton drop. Et donc, par exemple, là, je fais des trous, comme tu vois là, au niveau de mon corps aussi, il n'y a aucun élément. C'est pour laisser place à ces petits glitches là. Donc, par exemple, là, j'ai pris un petit glitch white nose. Un truc comme ça. Après, je rajoute 2-3 éléments derrière. Voilà, là j'ai quoi? Un truc comme ça, et là je vais avoir... Enfin, genre... Et je vais avoir des petits tomes un petit peu à l'ancienne, des tomes pinball. Tu l'as dans le starter pack, ça. Ah!
Et là, c'est quoi? Ça, c'est Godzilla. Donc ça, c'est pareil. C'est un truc qu'ils utilisent à chaque fois dans leur set. Voilà. Donc j'ai utilisé ça et ça va me permettre de faire des petits trous dans mon drop. Donc mes drums complètes, ça donne ceci. Ok, donc voilà pour ça, on va maintenant passer à mon drop. Donc là tu vois qu'il n'y a vraiment rien comme pattern, il y a juste un pattern, le drop chords. Et dedans j'ai mis 4 éléments je crois. Donc là tu vois au niveau de mes automations, je fais des trous pour laisser place à ces, comme je t'ai dit, à ces petits glitches là. Voilà. Ok, donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir mon pattern. Ok, donc le tout ensemble. Donc voilà pour ça. Donc après, je vais rajouter des petits éléments comme un piano par exemple. Ici, et je vais rajouter aussi un petit vocal chop que tu n'entends pas forcément dans le track, mais je trouvais ça assez sympa de rajouter un petit truc comme ça. Donc là, je fais de la découpe, hein. Je fais une petite variante ici, tu vois que c'est pas la même mélodie que là par exemple. Voilà, tout simplement, c'est pour apporter au track une variante. Et bien sûr, je rajoute le petit casus lead à la fin. Ok, donc voilà pour cette vidéo, merci à toi d'avoir suivi, tu retrouves le son dans la description, je l'ai sorti just for fun, hein. Franchement je l'ai fait ça vite fait et je le sors tranquillement. Et sinon si t'as rien compris à ce que je t'ai montré aujourd'hui sur le projet, peut-être t'es débutant un petit peu, tu comprends rien à l'IMAO, je t'ai préparé rediffusion de web conférence, je t'ai préparé plein de vidéos offertes, un mini pack offert, premier lien dans la description, tout ça c'est offert, t'as juste à rentrer ton email, je t'envoie tout ça, premier lien dans la description, moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.